Coucou mes choupchous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est une nouvelle semaine qui commence, vous savez que le lundi c'est toujours la motivation. Le lundi il faut être motivé parce que sinon on n'y arrivera jamais. Hein. En plus je crois que vous êtes beaucoup à être en vacances, si je me trompe c'est possible, hein, mais il me semble que vous êtes en vacances. Donc ma foi, pour ceux qui sont en vacances, profitez bien, pour ceux qui y sont pas, courage. Je suis avec vous. Aujourd'hui on s'ouvre les boosters porte-clés de la Belle et la Bête. J'en avais déjà ouvert 3, rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre vous, même si ça fait pas si loin que ça. Et on avait eu Belle en robe rose, donc j'étais ravie. Mrs. Samovar, j'étais un peu moins ravie. Et Gaston, que j'avais déjà eu dans une autre série, donc c'était pas la priorité. Hein. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est la Bête. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et sinon, une des deux secrètes. Voilà, et pas de double de manière générale. Mais la Bête, c'est... Je voulais la Belle en robe rose, je l'ai eu, maintenant c'est la Bête. La Bête, c'est l'objectif ultime. Donc, je propose qu'on commence tout de suite par celui-là, parce que clairement, c'est pas la Bête, ça. On voit tout de suite que ça n'est pas... Là, ils sont gros. Ces deux-là, ils sont gros, il y a peut-être une chance. Celui-là, non. Alors, n'oublie pas qu'il faut une prédiction pour cette semaine. On espère avoir matière dans l'ouverture. Un truc positif, normalement, à part si on a 3 Gaston, hein, on devrait s'en sortir. Alors, attends, je vois un truc blanc. Jaune, c'est pas du blanc, ça, Marilyn, c'est du jaune. Ah, je deviens daltonienne. Je dirais que c'est lumière, du coup. Ah, attends, on va le mettre dans l'autre côté pour avoir le plus de suspense possible. Il est pas gros, lumière, hein. Quand tu vois Mrs. Samovar, comment elle était dodue. Il est mignon, il est fait très... En fait, j'allais dire... Tu sais, normalement, quand je tourne un porte-clés, je fais... Oh, il est trop mignon. Là, honnêtement, il me fait peur. Voilà. Non, mais il faut dire les choses. Je sais que c'est pas facile. Lumière, je comprends. On va mettre en place une cellule de soutien psychologique. Mais non, honnêtement, il fait flipper. Je suis désolée, il a un air de Joker, je trouve. Et ça passe pas. Tu vois, il fait peur, on est d'accord. Est-ce que là, ça, t'as pas peur? Imagine, tu te réveilles le matin. Tu te réveilles, c'est le matin, t'es... Ah là là, une bonne journée s'annonce. Et t'as ça en face de toi. T'as peur, d'accord, c'est, on est d'accord, t'as peur. Ben voilà, donc non, lumière, honnêtement, je suis pas fan. Voilà, il est joli, hein, de corps, mais de tête, ça va pas. De tête, il y a quelque chose qui foire. Hein. Je ne veux pas de Joker dans mon armoire. Mais bon, ça complète la collection, c'est pas un double. Ah, voilà, on va prendre ce que c'est. Niveau prédiction, ça fait un peu peur, mais bon, on va être confiant. Alors, numéro 2, on va venir par... Je sais pas, les deux sont assez gros, j'espère que c'est pas des doubles. Ah, s'il vous plaît, pas de double. Allez, deuxième. Number 2. Apprends l'anglais avec Thibaudou. Oui, je sais, je suis bilingual. Alors, attends. On sort le carton pour pas être spoilé. Même si Lumière, il nous a spoilé. Hein. Il a pas été sympa. Hein. Lumière, il a pas... En même temps, il a une tête de Joker. Donc, on peut pas s'attendre à ce qu'il soit sympa. Attends. J'ai vu un truc. Oh, je crois que c'est Belle en robe rose. Alors, en soi, je suis contente parce que je la trouve magnifique. Mais de l'autre côté, je l'ai déjà, quoi. J'ai vu du rose, alors je vois pas ce que ça peut être d'autre, en fait. Eh oui, c'est ça. Bon alors du coup, je la remonte pour ceux qui ne l'avaient pas vu la dernière fois. Voilà. Là, on a le droit de gazouiller. Là, on a le droit de fondre comme neige au soleil. Elle est vraiment, vraiment très mignonne. Et du coup, c'est un double. Du coup, je vous la ferai gagner tôt ou tard. Ou peut-être un de ces cas, je la mettrai en vente sur mon eBay. C'est pas impossible parce que j'ai quand même pas mal de doubles. Donc on verra. Je verrai ce que j'en ferai. Mais en tout cas, elle est là, elle est mignonne. Et elle sera pour vous d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, elle est très chou. Elle est très très chou, je dois dire. Elle est adorable. C'est ballot, je l'ai déjà. Mais niveau prédiction, ça nous remonte un peu la moyenne. Parce que non, je les mets pas à côté. Je suis désolée, j'ai peur de lumière. Hein. Et allez, le dernier. Je sais pas si ça peut être une Bête, ça. J'ai l'impression que c'est gros. J'espère que c'est pas encore une Belle. Oh là là, ça me préchmoute, ça. Ah, franchement, 3 Belles. Bon, remarque, niveau prédiction, on est plutôt bien, mais. Non, pas Belle, s'il vous plaît. Attends, j'essaie de toucher. C'est que je crois que c'est ça. Oh, c'est pas vrai, mais je crois que c'est ça. C'est quand même 6 balles le booster, hein. Parce que. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Non! Oh, trop bien! Oh, on a tous vu, mais je crois que c'est la secrète. Je crois que c'est Belle en robe jaune. Je crois, mes amis, que nous avons une secrète aujourd'hui, en ce jour, béni des dieux. Oui ! Oh, alléluia ! Ça fait plaisir. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts à la retourner ? Déjà, les cheveux. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a de beaux cheveux ? Oui, on peut le dire. Oh, elle est adorable. Oh, elle est adorable. Oh là 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 là. Elle est sublime. Elle est sublime. Non, mais il faut dire les choses. Autant lui, il est dégueulasse, autant elle, elle est sublime. Ils sont unis par le jaune, quand même. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. On les éloigne quand même. Alors. En bilan de cette ouverture, je suis très contente. Bon, la Belle en robe rose, j'étais pas fan d'avoir un double, mais quitte à avoir un double, je préfère que ce soit elle que Mrs. Samovar, hein, on est d'accord. Et la Belle en robe jaune est magnifique, c'est une secrète, et on a une lumière Joker, certes, c'est pas fou, mais je l'avais pas, donc bon, on peut positiver. En plus, elle a sorti au zoom un petit peu, hein, quand même, hein, faut le dire, hein. Non, franchement, je suis très contente, surtout pour elle. Là, c'est... Ça me comble de joie, mon petit cœur d'amour, tu vois. Ah non, vraiment, ma phrase n'avait aucun sens. Non, franchement, je suis très contente, ça fait plaisir. Alors, je fais un petit sondage, quand même, laquelle vous préférez, parce que la robe rose, elle a quand même une... Hein, elle pèse dans le game aussi, clairement, hein, mais c'est juste que je l'ai déjà, donc fatalement, je suis moins enthousiaste, hein. Et niveau prédiction de la semaine...
On risque de se faire aborder par un mec chelou. Et sinon, bah, on fera du shopping, on aura de belles robes et on sera belles. Voilà. Moi, franchement, je vois ça. Après, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre vos prédictions de la semaine en commentaire. Vous savez que je mets toujours un petit favori. Celles qui ont le plus d'imagination ou de mignonité. Ou les deux. Ah, c'est pas possible. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Rien de mieux pour bien attaquer un lundi que d'ouvrir un peu de Disney. Franchement, il n'y a rien de mieux au monde. Je vous fais des très gros bisous. Je vous aime très très fort. Courage et reposez-vous si vous êtes en vacances. Et reposez-vous aussi si vous bossez d'ailleurs. Hein. Faut pas s'empêcher. Hein. Je vous aime très très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas. Pouka pouka pouka.